Ah. On m'a donné ça. C'est bon les gars, c'est parti. Aujourd'hui donc le dernier match Guenou avec comme objectif la victoire. La victoire, pourquoi? Parce qu'on peut atteindre la troisième place, qui est synonyme de podium, et il faut être toujours compétiteur. C'est un peu le regret si on peut faire un bilan cette saison. Je trouve que les joueurs, on n'a pas assez joué le jeu par rapport à ça, par rapport à cette compétition, par rapport à une montée. C'est beaucoup plus de prise de soi, d'envie, d'abnégation. Il n'y a pas que des petits matchs, des grands matchs. Tous les matchs sont bons à prendre et on dit souvent la chance du vainqueur, la chance du champion. Et ça, on n'a pas su les provoquer au moment opportun. On a merdouillé, tant pis pour nous, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation, à un moment on y a eu même cru. Et on a bien vu que de partir de loin, c'était très compliqué, c'était jouable. Mais on n'a pas réussi à le faire. Donc. On crame des saisons comme ça et puis on prend des années au fur et à mesure. Donc faut pas trop traîner. Donc j'espère que la saison prochaine, on partira d'entrée dès le mois d'août dans cet esprit de compétition, les gars. Parce que ça se prépare dès le mois d'août. Une année, c'est compliqué, ça demande beaucoup de joueurs. Il y a des blessés, des suspensions, etc. Des absences des fois où on ne peut pas faire autrement. Et ça, il faut vraiment se mettre ça dans les tronches, les gars. Si vous voulez un jour avoir cette chance et ce bonheur de connaître des montées et aux divisions supérieures, et puis de connaître la Ligue, parce qu'on a la porte d'un championnat un peu compliqué, toujours avec des matchs un peu bizarres. Et on sera plus à l'aise, croyez-moi, dans ces divisions supérieures. Je me le tue à le dire, mais il faut s'en donner les moyens. C'est pas le tout de dire, de croire. Ça demande beaucoup de travail en entraînement, beaucoup de phases, travailler des automatismes, chose qu'on n'a pas pu faire. On joue un petit peu sur les talents de chacun, individuellement. Et il ne faut pas croire, c'est pas que ça le football. Si c'est 11 sur un terrain et 3 remplaçants maintenant, c'est pas un hasard. C'est qu'on joue tous ensemble. De super, des super moments à vivre, croyez-moi. Aujourd'hui, donc, on joue un match, avec de l'enjeu, parce qu'on a la chance d'avoir les deux équipes qui jouent à domicile. Et puis, en plus, il y a ce petit côté festif qui est sympa. Il vaut mieux avoir ça que rien du tout pour finir la saison. Donc, profitez-en. Faites-vous plaisir, mais ça veut dire de ne pas suivre la kermesse qui est en dehors. C'est pas la kermesse sur le terrain. Il y a des bases dans le football. Le plaisir, vous la ferez après le match. On doit garder les fondamentaux dans le jeu, dans le placement, dans l'abnégation. C'est surtout ça qui va faire la différence aujourd'hui. L'envie, l'abnégation, la concentration. C'est pas plus que ça. Vous savez que Guenou, ils jouent souvent avec une défense à plat. Ils avaient été un petit peu en péril quand on leur mettait des ballons croisés dans le dos. Hein, malgré leur arbitre de touche très fantasque, je tâcherai de ne pas le louper aujourd'hui. Et donc il va falloir croiser un petit peu ces ballons pour les mettre à l'opposé. Hein. Si des ballons intéressants ici, on va pouvoir les longer pour ici. Donc il faudra bien écarter au départ, suivant les ballons offensifs, hein, les gars. C'est très très important, pas rentrer, pas avoir deux ici, pour avoir, là ils vont vous récupérer le ballon, ils ont quand même une intelligence de jeu à l'ancienne dans l'axe, donc il faut au contraire écarter et les faire galoper. Hein. C'est vraiment une clé de match. Au milieu, ils sont souvent, ils mettent souvent le pied, j'ai pas vu leur grand steak qui nous aime égaliser, hein, il n'est pas là. Mais lui, il taclait souvent, il a eu du bol. Et il mettait souvent de l'athlétisme, ce qu'on appelle. L'athlétisme, ils mettaient le pied, ils essayaient de gagner les ballons le plus haut possible pour que l'équipe ait le moins à travailler. Hein. Donc il va falloir trouver ce bloc.
bloc, mettre bien le pied ici, être souvent au deuxième ballon, récupérer, s'ils allongeaient. Je pense qu'ils vont essayer de passer par les côtés, hein, c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils avaient fait au moins à l'aller. Donc il faut vraiment être au deuxième ballon pour pouvoir les récupérer, jouer simple. Jouer toujours pas plus de 2-3 touches de balle, max, que le jeu il s'accélère. À un moment, l'équipe aussi elle sera fatiguée, il faudra se regrouper et s'entraider, beaucoup communiquer, hein, de pas tailler un petit peu en live, comme qui dirait. Ok les gars, c'est bon? Juste la petite... J'ai mis beaucoup d'importance sur ce match, si les gens y viennent, et puis il va falloir montrer qu'ils ne sont pas venus pour rien. J'ai envie de voir des jeux, j'ai envie de voir leur équipe, parce que c'est leur cœur qui parle quand ils viennent ici. C'est des anciens, c'est des gens, je revois moi des mecs qui ont été trésoriers 15-20 ans ici, et qui reviennent spécialement, je ne l'ai pas vu depuis des années et des années. Donc c'est pas un hasard, il y a les anciens présidents qui viennent, un peu ces délégations-là, et ils ont toujours ça dans le cœur. Et ben faites-leur plaisir les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire, battez-vous, gagnez tous ces duels, mettez ces buts, et que la fête soit belle à l'arrivée, puisqu'en plus la B vous montre la voie si elle gagnait ce match-là. Hein, donc dès l'échauffement on se concentre, ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre une pression ultime, ça ce serait établi de faire ça, hein, c'est juste se concentrer sur ce qu'on a à faire, vous savez vos postes, vous connaissez ce que vous avez à faire. Comment vous avez envie de jouer ensemble, c'est ça qui est le plus intéressant. Ok, sur les corners, Jérôme sera la baguette avec Mick. Hein, un coup à... Ça va Mick? Ça va, ça va. Je suis concentré. Tu es encore hier. Non, c'est bon. La nuit est passée. Allez, c'est parti. Alors... J'ai eu dans les buts. Allez. On a mis ton maillot. Ouais. Ah oui, t'as changé. C'est... Ouais, rouge et noir du coup. Hein. T'es obligé. Là. Ouh. Une jambe blanche et que tu as l'enlever, tu vas voir.